Bonjour. Bonjour. Monsieur, veuillez trouver ci-joint l'échantillon à tester comme convenu. Une nouvelle molécule agissant sur le cerveau qui procure au patient un sentiment de grandeur et développe une plus grande confiance en lui. C'est de la coke ou quoi là, un truc? Merci de reporter les éventuels effets secondaires. Toutes les situations distinguées. C'est génial! T'imagines tout ce qu'on va pouvoir faire? Mais ouais, mais... Jouer à Mario Kart en multiplayer. Ouais! Mais non! Non, je pensais plutôt à draguer Julie, la meuf des boîtes aux lettres. Ah ouais? Pas con, mais... Mais non, elle, c'est l'Everest, gros. Nous, on est un pauvre terril sur la route de Douai. Justement, ce qui nous arrive là, ça peut enfin changer la donne. Toute notre vie, on a galéré avec les meufs. Toute notre vie! Aujourd'hui, c'est l'heure de la revanche. Et t'as un plan? Ouais, j'ai un plan. On lui écrit une lettre, ni trop romantique ni trop flippante, pour lui expliquer qu'on est trop timide pour oser lui parler et qu'on aime écrire sur du papier parce que c'est vintage. On lui laisse notre numéro à la fin et on la met dans sa boîte aux lettres. Et ensuite? Ensuite, on attend qu'elle nous envoie un message. Maintenant, la baratine. Ça, on sait faire. Ça, on sait faire. De fil en aiguille, on sympathise et on lui propose de boire un verre. Et on n'a plus qu'à s'équiper pour le rendez-vous. Ça m'a vraiment touché ta lettre. D'habitude, les mecs m'accostent comme des bourrins. Ah ouais? Oui, non, je savais pas trop comment faire parce que je suis un peu timide. C'est trop mignon. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers? On va prendre deux grosses pintes de bière, non? Non, moi je suis plutôt amatrice de vin. Ok, je suis dessus. Alors propose-lui un château Langelot. Alors, si tu aimes le vin, on devrait prendre un Château Langelot. Il est très tanné, il a un bon retour en bouche. Donc, deux Châteaux Langelot. Oui. Tu t'y connais en vin? Oui, j'ai fait une formation de sommelier. C'est ton métier? Non, en ce moment, je teste des médicaments. Mais quel boulet! Des médicaments? Rebondis, elle surkiffe la musique, dis-lui que t'es musicien. Oui, en fait, je fais partie d'une association qui est pour la libération des souris de laboratoire. Mais en vrai, je suis joueur de ukulélé. C'est cool. Les deux Châteaux Langelot. Merci. Mais les médicaments, c'est pas trop dangereux? Non. On chin-chin? T'es plutôt unique, toi. J'ai passé la nuit là-dedans, enfoiré! Pourquoi tu t'es caché là? T'as 40 mètres carrés, putain! Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je l'invite à boire un dernier verre chez elle? Tu parles à qui? À personne, je répétais un poème. Enculé. Eh, bonjour! Bonjour. C'est peut-être un peu rapide pour te proposer ça, mais j'ai une copine qui fête son anniv ce soir. J'ai pas envie d'y aller seule. Ça te dit de venir avec moi? Ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais. Bonsoir. Aurélie, je te présente Ted, on vient de se rencontrer. Bonsoir Ted. C'est Aurélie, comment? C'est Aurélie Fache, pourquoi? Ah bah non,
Bah, je croyais que je te connaissais, mais en fait, non. Bon, bah, rentrez. Il faut dehors. Ok, Aurélie Fache, profil Facebook public, trop facile, elle adore les géraniums et les caniches. Putain, elle a quel âge? On va avoir accès à toute sa liste d'amis invités à l'événement. Il suffit juste qu'on ait leur prénom. Virginie. Isa. Christophe. Chris. Ok, enchanté, je vais pas tout retenir. La vache, y'a du monde, je prends les mecs, y en a moins, vous partagez les meufs les gars. Ok. Vous avez vu le dernier Dolan? Interstellar? Non, Dolan, pas Nolan. Ouais, je sais, c'était une blague. Prends pas d'initiative, gros, tu vas passer pour un con. Sur Twitter, elle dit que c'est une tuerie, surtout le passage avec sa mère qui pète un plomb. Ah, je l'ai vu ce film, c'est une tuerie, hein. Surtout le passage avec sa mère qui pète un plomb. Ah, je suis trop d'accord avec toi. Christophe a préféré Mommy. Mais Mommy, ça reste son meilleur. C'est clair. Eh, hey, vous parlez du dernier Dolan? C'est qui ça? C'est des nouveaux. Putain, ça craint les gars, on va avoir besoin de renfort. Oui, bah c'est exactement comme dans les chroniques martiennes de Ray Bradbury. Mais c'est dingue, c'est ce qu'on se disait aussi. Excusez-moi. Putain, merde, j'ai plus de pile. Quoi, t'as pas rechargé? Oh, le con. Ça va? Oui, ça va. Je vais juste rentrer parce que je suis vraiment crevé. Faut que je dorme. Non, tout le monde t'adore ici. Mais moi aussi, j'adore tout le monde. Mais faut que je rentre parce que je me lève super tôt demain. Bon, ok, je rentre avec toi alors. Viens. Allez, fais pas la gueule. Non, mais tu comprends, je suis vraiment crevé. Je crois que je vais rentrer. Ça sert à rien que tu viennes. Je vais dormir direct. Non. Oh putain, merde. Non, reviens. C'est un petit chat. Mmh.